Hey, what's up, people? It's your boy Adini, aka Felipe, aka Dizzy Diddy. Welcome to my YouTube channel for another video. Appelle-moi, raconte-moi ton histoire. Another one. Ça va être du lourd. Another one. Intro, s'il vous plaît. Hey, what up? It's your boy Dizzy Diddy, aka Felipe. Je trouve que non, le monde est méchant, c'est que ce mec-là m'emmenait vraiment partout. M'emmenait vraiment partout. Non. Bon, et après qu'il soit venu avec son... Même son père avait validé l'histoire, alors qu'il savait très bien que non, le mec il a. Donc son père aussi était complice, c'est ça? Son père il a validé, il a dit je valide. Il m'a même menacé, il m'a dit si tu peux souffrir mon fils, je te tire dessus quoi. C'est ouf. Alors que c'est avec moi qu'on a joué quoi. Eh hey, c'est de ouf. Les gens sont Oh là là. Les gens sont tellement. Et alors là il vient avec son oncle, il s'excuse, tout ça. Est-ce que vous repartez après ou comment non, ça se passe? En fait je reste pas en fait tu te méfies? Je suis pas convaincue, je suis pas trop. En plus moi derrière j'ai mon informatrice qui me dit hey, écoute pas, il y a ça. Il se passe ça, ouais. Il dort toujours chez sa femme et tout. Ouais. Voilà, c'est elle qui s'occupe de lui, elle est là tous les jours. Regarde, la dernière fois, j'ai appelé, j'ai entendu et tout, les enfants criaient derrière, j'entendais la meuf et tout, nanana, j'entendais le gars. Parce qu'en fait, ma copine, en fait, parce qu'on n'est plus copine aujourd'hui à cause de lui même. Ok. Cette copine-là, en fait, elle connaissait aussi bien sa meuf. Femme, tu vois. Ouais, sa meuf, ouais. Du coup, ça veut dire que quand elle l'appelait, elle entendait le mec derrière. Ouais. Et ça, qu'elle disait, mais ouvre les yeux, je te dis, le gars, il est là-bas, la meuf, elle est là. Je dis, ok, c'est bon, c'est mort. Du coup, j'ai arrêté la relation pendant presque un mois. Après, derrière moi, il est revenu. Comme je t'ai dit, un langue de serpent, il sait comment parler, il sait comment s'adoucir. Te faire comprendre que non, c'est toi, donc toi, dans son monde, c'est toi la... C'est un beau gars. Ouais. Voilà, donc toi, tu fais quoi? Comme t'es amoureuse, bah, tu retombes dedans. Tu tombes bas. Je suis retombée dedans. Avec les hauts et les bas et les histoires, hein, parce que les histoires ne se sont pas arrêtées. Hein, ça a continué. Et quand est-ce que toi... Ok. À chaque fois... il sortait avec elle, moi j'allais sur YouTube, il me dit ah, vas-y, je vais faire un tour et tout, je regardais la soirée de sa vie, c'était comment? Ouais. Tu rentres dans YouTube, bim, une minute, le mec en train de danser la rumba avec la meuf. C'est pour ça que je dis des fois, je te jure, non, Dieu m'a envoyé tellement de signes, mais moi j'étais aveuglée, je voulais pas. C'est chaud. Hein. Je voulais pas écouter celui-là. Je te jure, moi, comme ça, je rentre. Genre, comme ça, j'avais rien à faire, j'arrive pas à dormir. Puis je rentre dans Facebook, boum, photo et tout. Eux deux dans un mariage, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que les types comme ça, prends-les dans des mariages ensemble, prends-les dans des soeurs ensemble. En fait, tu mens, oh non, c'est elle qui me suit. Donc c'est la meuf qui suit le gars, quoi. Et moi, j'allais bouder pendant une semaine, deux semaines, il allait passer à bord de la pommade. Et moi, c'est pas bon. Donc, aïe aïe aïe. Non, je sais pas, des fois je me demande si j'étais même plus bête. Je crois que j'étais envoûtée, c'est pas normal. Parce que des fois, quand je m'assois et que je réfléchis. On ne sait jamais, tu sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé un témoignage aussi. Il y a beaucoup de jeunes hommes ou même de jeunes filles qui envoûtent carrément leur partenaire. Donc, il se passe beaucoup de choses. De nos jours, c'est vraiment très dangereux. Entamer une relation avec quelqu'un que tu ne connais pas vraiment, c'est vraiment difficile et on se doit de se méfier vraiment beaucoup. De faire vraiment attention. Et franchement, c'est vrai que parfois on dit de ne pas écouter ce que les gens disent. Mais non, il faut quand même, parce que comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Donc, oui, tu écoutes, tu essaies de faire des enquêtes, tu essaies d'analyser et de voir. Parce que si tu fermes les oreilles, comme on dit, oh, il faut qu'on prenne un acto, non. Ça, c'est pour t'endormir. Mm-hmm. Pour t'endormir. Parce que tu vois, même moi, cette meuf-là, franchement, elle me fait vraiment pitié parce que
Je sais pas si, je sais pas si, non, je sais, bon, je vais pas juger. Voilà, ouais. Moi-même, franchement, je faisais partie des meufs qui disaient, le meuf, elle est bête et tout, le gars, la trompe à tout, ouais. Ça fiche et tout, nanana. Et si on ne juge pas, ouais. Moi aussi, je faisais partie de ces meufs-là, mais je me suis retrouvée dans cette position et franchement, j'ai compris. J'ai compris que quand t'es amoureuse, mais quand je te dis amoureuse, et ben, limite, t'acceptes tout et n'importe quoi en fait. Ouais. Et ouais. Franchement, mes sœurs, franchement, faut trouver la foi même. Prie, j'ai pas cherché le. Ouais. Parce que même, comment ça s'appelle? Nos darons africaines, là, je les condamne aussi. Parce que tout le temps en train de dire, oh t'es, Balim, ça va, mon Bali, on pardonne seulement l'homme. Si tu te trompes, on pardonne. Non, les mamans, vous donnez des faux conseils. Parce que aujourd'hui, regardez, on voit l'actualité. Oh, un tel, il s'est suicidé. Un tel, il a fait AVC. Un tel, ceci, un tel, cela, tu vois. Ouais, non, mais après, il y a des choses auxquelles on peut pardonner. Tu vois, parce qu'elle souffre dans une relation. Qui est pété un plomb, quoi. Non. L'encourage pas à rester. Tu parles avec elle, tu la conseilles, tu. Normal. Mais l'encourage pas à rester si elle est pas bien. Ouais, normal. Parce que quoi, oh Liba là, oh Ban là, non, moi je suis pas d'accord. En tout cas. Bon, après, ça c'est un débat, je pense, voilà, qu'on pourra en discuter aussi, voilà, justement. Parce que s'il faut rester en couple pour les enfants, c'est un autre débat ça. C'est un débat vraiment qu'il faut. Faudrait peut-être qu'on organise un talk show avec plusieurs personnes et puis voir les différents points de vue. Ça serait pas mal. Voilà. Donc, du coup, après, ta relation avec les mecs, comment est-ce qu'en fait ça s'est terminé? Comment ça s'est terminé? Ouais. Alors, vraiment, c'est fini, il fini, m'a, fini. Il m'a mis vraiment le dernier coup fatal. Ça s'est terminé en 2020. On est en 2021, hein. On a commencé fin 2017, on a terminé en 2020. J'ai vraiment mis fin en 2020. Et il faut savoir que la personne, tellement c'est un sorcier, a essayé de me contacter il n'y a même pas une semaine. Ah ouais. Donc, il retente quoi. C'était fini. Attends. Là, c'est mort, je suis blindé. C'était fini avant le premier confinement ou pendant ou après? Ah mais écoute mon frère, écoute, donc du coup, bref, toutes les histoires, toutes les péripéties, bon, il y en a tellement d'histoires. Abonnez-vous. Je t'ai dit, mon frère, en 3 ans, je crois que j'ai eu peut-être 6 mois de bonheur. Hein. Waouh. Le reste, c'est des problèmes, des. Ça, c'est malheureux par contre. Mais maintenant, c'est pour ça que je t'ai dit, je me demande si c'était vraiment de l'amour que j'avais ou si Atia Kingan a kiffé, comme on dit, qui s'est vraiment envoûté. Parce que franchement, j'ai supporté des choses. Même ma soeur, elle en pleurait. Même ma mère, elle me disait, mais je peux pas te dire au boyer parce que tu vois, voilà, les darons, elles vont jamais te dire, laisse-le. Mais ouvre les yeux, ma fille, tu vois ou pas? Bref. Wow. Et là, en fait, il s'est passé quoi? Donc, il y a eu un deuil. Ouais. Le deuil était à l'étranger. Mm-hmm. Déjà, moi, c'était un peu tendu parce que je trouvais un peu bizarre. J'en avais marre, en fait. J'en avais vraiment marre de cette situation. Parce que je t'ai dit, hein. Ouais. Des fois, je pouvais ne pas l'avoir pendant une semaine ou l'avoir une fois par semaine, mais genre 4 heures. Ouais. Oh non, je dois aller au travail. Oh non, nanana, alors que j'ai appris que le mec, depuis qu'il a fait son incident, hein, il n'a jamais repris le travail. Donc, il me mentait quand il venait me voir pour partir plus tôt qu'il allait au travail. Chez sa femme, en fait. Il repartait chez sa femme. C'est dépêché de rentrer chez lui, en fait. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, il y a eu un deuil et tout, nanana. Et déjà, ça allait pas très bien entre nous. Moi, je voulais vraiment stopper cette histoire-là parce que je me sentais plus bien. J'étais pas bien dedans. J'étais malheureuse. T'es avec une personne, mais t'es malheureuse. T'as pas l'impression d'être en couple. T'as pas l'impression d'avancer. Tout ça. Donc, je voulais vraiment arrêter l'histoire. Normal. Du coup, j'ai trouvé. La façon d'arriver l'histoire, c'est quand il y a eu ce deuil. Il y a eu un deuil et il m'a demandé de venir. Ouais. Il m'a demandé de venir, mais en fait, quand il m'a demandé de venir, c'était pas de venir à l'enterrement. C'était genre venir, c'est là où il se retrouvait, tu vois. D'accord, ouais. Voilà, pour le deuil, pour le deuil et tout. Oui. Et moi, je dis non, moi, donne-moi la date du deuil. Tu vois, le jour où on va l'enterrer. Ouais. Moi, j'aimerais ce jour-là. C'est ce jour-là que je vais venir. Je vais pas venir juste. En plus, c'est à, je sais pas, à plus de 1000 km d'ici. Moi, je vais pas. Je
peux pas venir juste pour ça, en fait. Moi, tu me dis le jour de l'enterrement, il n'y a pas de souci. J'appelle, j'appelle ma bestie et tout. On prend la route, on vient en voiture. Ouais. Il n'y a pas de souci. Mm-hmm. Et pourtant, j'étais plus dans l'histoire. J'avais envie d'arrêter l'histoire, mais tellement ça m'avait fait mal, parce que la personne, je la connaissais aussi, qui était décédée. Okay. Et quand il m'a appelé pour m'annoncer le décès, il pleurait. Tellement ça m'a fait mal. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai un grand cœur, donc je dis non. Il normal. Et tout. S'il a besoin de choix là, je vais être là. Même si c'est à 800 km, je vais venir. Ouais. Je vais être là, tu vois. Ouais. Donc, le mec, il m'a mal dit. Oh non, on n'a pas encore sorti le programme. Alors que moi, FBI, hein? J'avais déjà vu le programme. Et sur le programme, il y avait son nom et son numéro. Donc toi, t'es pas au courant, on a sorti un programme, t'es pas au courant qu'il y a un programme. Et on met ton nom et ton numéro, tu as informé les gens comment? Waouh. Informer les gens comment? On a mis ton prénom et ton numéro dans le programme. C'est au courant qu'il y a un programme. C'est et ouf. En fait, l'enterrement, il était la semaine d'après. Du coup, franchement, j'ai dit, bon, c'est pas grave. J'ai trouvé une excuse pour dire que ouais, finalement, je peux pas venir. Et j'ai dit, c'est pas grave, prends sur toi. Là, il est pas bien. Et tout, nanana. Attends qu'on l'enterre. Attends même une semaine après l'enterrement ou deux semaines après l'enterrement. T'arrêtes l'histoire. Mais franchement, moi, je suis quelqu'un, je suis très impulsive, j'arrive pas à être regardée. Du coup, ça fait que dès qu'ils l'ont enterré, je crois qu'il a attendu 2 jours. Ouais. Je lui ai dit, bon, comme c'est là, il faut qu'on stoppe, c'est mort, on arrête. Parce que là, j'ai vu les vidéos, parce que comme j'ai dit FBI, j'ai vu les vidéos sur Facebook. La go, elle était là. D'accord. Donc, tu vois pourquoi j'étais pas au courant du programme? Parce ouais. Que je savais qu'elle allait venir. Ouais. Et quand moi je lui ai dit, j'ai vu la meuf, le mec comme il hein, il sait comment m'avoir. Oh non, elle m'a suivi, elle aussi connaissait la meuf. Je pouvais pas lui dire de pas venir. Fallait venir, non? Ouais. Tu vas dire ça parce que l'enterrement il est déjà passé. Mais si je serais venue, t'aurais dit quoi? Tu vois? Bref. Du coup, j'ai arrêté l'histoire et tout. Et je lui ai dit, non, de toute façon, je veux plus, j'arrête. Et il a essayé de nous contacter par la suite, mais bon, je voulais pas. Et puis le confinement, il est tombé. D'accord. Le confinement, il est tombé. On s'appelait pas. Moi aussi, j'ai entamé une autre relation. Je me suis mis avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, je suis passée à autre chose. Le confinement, il est tombé. J'ai fait ma vie tranquille et tout et tout et tout et tout. Nickel. Ouais, donc je fais ma vie tranquillement pendant le confinement et tout. Le confinement terminé. Le mec commence à me chercher. Confinement, on s'est pas calculé. Ah ouais. J'avais des nouvelles de lui, hein. On m'a dit, parce que j'avais, en fait, dans son équipe là. Ouais. Pote là, j'ai dit au mec là aussi là, bon, on a pas d'autre. Parce qu'en fait, pendant les confinements, franchement, excuse-moi, le confinement a permis justement qu'il y ait beaucoup de restauration dans des couples. Et donc ça veut dire qu'il était obligé de rester chez sa femme. Il n'avait pas le choix de sortir. Donc du coup, il ne donnait pas de nouvelles. Non mais il m'en donnait des nouvelles, mais c'est moi, j'en voulais pas en fait. Des fois je répondais. Ok, il essayait en fait, il essayait. Voilà, mais je répondais jamais à ses appels. Ouais. Jusqu'à arriver au bout d'un moment, je l'ai bloqué. Je voulais plus qu'il me dérange. J'avais commencé notre relation. Donc, ouais. Qui me dérange. Ouais. Donc, je l'ai bloqué. Ouais. Et j'avais des nouvelles de lui parce qu'autour de lui, il a des espions, il a des traîtres. Il a des traîtres autour de lui, donc j'avais des informations. Ah, c'est les abonnés. Ah ben, Bruna. Ils sont partout. Grave. Comme il est là et puis il est là-bas. Je dis, ah ouais, mais c'est bien, pourquoi tu me dis et tout. Ouais. Et moi, du coup, je disais, c'est pas si vous continuez à me dire des trucs sur lui. Moi, je parle plus. Oh non, mais non, c'est pas ça. Non, non. Et là, un jour, il m'a dit, oh. T'as pas entendu? Apparemment, la meuf, elle est enceinte. J'ai dit, ah bon? Ok, bon. Bébé, confinement. De toute façon, on va savoir après. Du coup, confinement terminé. Donc dans ma relation, embrouille aussi dans ma relation. Ouais. Parce que moi, je crois que j'ai pas de chance avec les mecs. Hein, donc, embrouille dans ma relation. J'apprends qu'en fait, le mec avait jamais quitté sa meuf. Donc, en fait, je me retrouve dans... Ah ouais, tu recommences la même histoire, en fait. Je me retrouve à peu près dans une même histoire. Ah! Les filles. Ouf. Je crois que dans cette ville là où on vit là, les hommes célibataires là, il en reste beaucoup hein. Soit tu as quelqu'un, soit c'est ambigu, soit c'est dur. Ah ouais, c'est dur les filles. Plus tu prends de l'âge là pour trouver un mec qui soit célibataire, qui a pas de meuf, c'est dur.
Du coup, donc ils sont dans une histoire à peu près pareille. Hein. Donc le gars, en fait, il n'a jamais séparé. Je n'ai jamais séparé sa mère, en fait, il s'était embrouillé. C'est pour ça que tout le confinement, il est avec moi. Parce que là-bas, il avait embrouillé. Bref. Donc le mec est bon, embrouille. Donc je me sépare de la personne avec qui j'étais pendant le confinement. Ah ouais? Et lui, il revient dans ma vie. Après, moi, je faisais trop la meuf qui contrôlait, tu vois. Non, on était des potes, y'a rien. Ma soeur a dit. Ouais, et du coup, lâche ce mec-là, même en tant qu'ami, tu devrais pas avoir des gens toxiques comme ça autour de toi. Elle m'envoyait des versets bibliques, des témoignages, des plein de trucs comme ça. Qui t'envoyait? Ma sœur. Ok. Qui disait que voilà, qu'il faut pas avoir des personnes toxiques autour de soi. Ouais. Ah oui. Elle voulait vraiment me faire sortir de cette histoire-là, tu vois. Je lui dis, mais non, t'inquiète, je gère, il y a R et tout, je vais gérer. Et du coup, cette personne-là est revenue dans ma vie, on se voyait de temps en temps, il était de quoi, il m'a fêté mon anniversaire, Ah ouais! Donc le gars, il veut à tout prix me récupérer, tu vois ou pas? Non, ouais, je vois. Et moi, quand on se voyait, je lui disais, toi et moi, on n'est pas en couple, hein. On cherche pas à comprendre, toi et moi, on n'est pas en couple. Moi, je suis là, j'accepte, tu viens me voir, on passe des moments ensemble, on est là. Tu fêtes mon anniversaire, mais voilà. Non, on n'est pas en couple, frère. On n'est pas en couple. Maintenant, donc comme je t'ai dit, je ne le calculais pas trop. Ah, j'avais baillé le gars. Vraiment, là, j'avais vu vraiment que j'étais vraiment dégoûtée et que je voulais vraiment plus de cette relation. J'ai vu vraiment que non, c'est bon, je tiens, tu vois, hein, j'arrive. Non, un jour comme ça, on m'appelle, on me dit, oh, tu sais pas, la meuf de Intel, elle a accouché. J'ai dit, quoi, tu peux répéter? La meuf de Intel, elle a accouché. J'ai dit, quoi? Donc en fait, ce qui m'a tué, c'est que le mec, en fait, il m'a fait... En fait, en faisant un enfant avec cette meuf-là, il a fait que confirmer que notre relation de 3 ans, là, c'était mensonge sur mensonge, c'était de la merde, en fait. Tous les soupçons que j'avais... Évidemment. Étaient véridiques. Tous les gens qu'il a séparés de moi, tous les gens avec qui je me suis embrouillée à cause de lui, ouais. Ces gens-là voulaient m'ouvrir les yeux, même son propre oncle l'a trahi, m'a sorti des vérités. Ouais. C'est la langue, j'ai fermé les yeux. Ouais. Et pour qu'à la fin, en fait, ce mec-là fasse un autre enfant avec elle. En fait, c'est ça, en fait. Et ma soeur, elle avait raison, elle me disait, en fait, toi, t'attends qu'il lui fasse un enfant pour que tu comprennes qu'en fait, tu veux se gagner encore avec cette meuf, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai dit à ma soeur, ouais, peut-être que t'as de l'argent. Donc, ça, du coup, là, t'as pété un plomb après, c'est... J'ai pété un plomb, et de toute façon, on n'avait pas repris, comme je l'ai dit, hein, mais... Ça m'a vraiment traumatisée. Aujourd'hui, ça fait que j'ai vraiment du mal à faire confiance aux hommes. Ouais. J'ai vraiment du mal à me remettre dans une relation. J'ai plus confiance. J'ai peur de l'amour. J'ai peur de retomber amoureux. J'ai peur de m'attacher. J'ai carrément même acheté un chien pour t'occuper le temps. Pour m'occuper, pour donner de l'amour à l'autre être. Oh, that's sweet. Parce que aujourd'hui, mon fils va un petit frère, une petite soeur, mais je vais pas lui donner avec le premier venu. Donc, on a pris un chien, sa petite soeur, donc je vois nos cubes, je me lève la nuit, ouais. La nuit, donc j'ai l'impression d'avoir un bébé à la maison, quoi. Excuse-moi, et là, actuellement, t'es en couple, tu côtoies quelqu'un ou... C'est compliqué. Ou t'es célibataire, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Mais compliqué. Maintenant. En fait, moi, j'attire que les relations toxiques, je crois. Ok, et où est ta situation spirituelle maintenant avec Dieu, ta relation avec Dieu, par rapport justement à ces choses-là? Eh ben, j'ai du mal. En fait, je crois en Dieu. Ouais. Je crois en Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu quelque part. Je sais qu'il est là pour moi parce que, voilà, quand même, je le remercie quand je dors. Je le remercie quand je me lève. Je sais qu'il y a un Dieu, mais je suis pas à fond dedans. J'ai pas mes deux pieds dedans, en fait. J'arrive pas à mettre mes deux pieds dedans. Ouais, je vois. Lui, des fois, ça m'arrive d'écouter. Ouais, je vois. Mais en tout cas, écoute. Des pasteurs, des petits, des ça, mais je suis pas à fond dedans. Et je sais que je dois me mettre à fond dedans si je veux m'en sortir. Ouais. Si je veux sortir de tout ça. Absolument, parce que Dieu, c'est lui le plus grand amour et le seul homme fidèle. Et si tu veux être heureuse dans ta vie, il faut vraiment te joindre à lui et tu verras que tu seras heureuse et que l'homme qui lui l'a préparé pour toi,
il viendra et il frappera à ta porte. Mais en tout cas, ta relation avec Dieu, c'est ce qui est plus important. Si tu as besoin d'aide, nous, on sera là pour t'aider. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous regardent, qui pourront laisser des conseils par commentaire. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Et comme ça, on pourra la rappeler pour poser des questions, pour avoir plus de détails. Les mecs du milieu, c'est pour les meufs du milieu. Voilà, on arrête avec ça. Les mecs du milieu, c'est pour les meufs du milieu, c'est ça? Voilà. C'est chaud. Appelez-moi, racontez-moi votre histoire, ça se passe ici.